والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول الحافظ البيهقي في الشعبة 17 من شعب الإيمان: باب في طلب العلم في فضله وشرفه. Alors l'imam al-Bayhaqi, dans la 17e branche de la foi, c'est un chapitre, il aborde une branche, l'apprentissage de la science de religion, et il a dit, c'est-à-dire ce qui a été rapporté au mérite de la science. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. انظر كيف الله سبحانه وتعالى قال شهد أنه لا إله إلا هو. الله يعلم أنه لا إله إلا هو. الله تعالى sait qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Allah témoin qu'il n'est de Dieu que lui. Et après il a dit les anges ont témoigné aussi, et par la suite il a dit ceux qui ont la science dans la religion. فانظر شرفه العلماء. Regarde les mérites des savants de l'islam. Qu'Allah Ta'ala tout d'abord a parlé de lui-même, qu'il témoigne qu'il n'est de Dieu que lui. Après il a dit ses anges, et par la suite il a dit Ulul Ilm. Et là Ulul Ilm, c'est-à-dire il y a les prophètes parmi les êtres humains et il y a les savants de l'islam. يعني Ulul Ilm يدخل فيها لا شك أولا الأنبياء ورسل الله ويدخل فيها أيضا العلماء شهدوا أنه لا إله إلا هو. فقرن اسم العلماء باسم الملائكة كما قرن اسم الملائكة باسمه. Il a lié les noms de l'ulama, des savants de l'islam avec les anges, et il a lié les anges avec son nom. فهذا بذلك يعرف أن للعلماء فضل عظيم. Et par là on comprend que les savants de l'islam ont un grand mérite. قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وإن الله وملائكته حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. الله تعالى و le prophète محمد صلى الله عليه وسلم a dit que le mérite d'un vrai savant par rapport à un adorateur comme mon mérite par rapport au moins gradé parmi vous. Et il a dit Allah Ta'ala élève en degré les savants, et même les poissons dans la mer, et même les fourmis dans leur nid, ils demandent à Allah Ta'ala d'élever le grade des savants. Wa qala ta'ala innama yakhsha Allah min 'ibadihi al-'ulama. Yakhsha Allah يعني العلماء هم من يخشون الله حق الخشية. يعني هون كيف أنت بتقول لفظ الجلالة الله مفعول به والعلماء هو الفاعل. Pour dire إنما يخشى الله, ليس الله يخشى من أحد, لا, إنما يخشى الله معناه من يخشى الله كثيرا هم العلماء. Ceux qui craignent Allah Ta'ala le plus, ce sont les vrais savants, les savants de l'islam, les savants de la religion, ceux qui craignent Dieu le plus. إن العلم يزيد الإنسان خشية. La science fait que la personne craint Dieu plus. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. On parle ici de qui? De ceux qui ont la science de religion et ceux qui n'ont pas la science dans la religion. Allah Ta'ala a dit l'aya qui signifie est-ce qu'ils sont égaux ceux qui ont la science et ceux qui n'ont pas la science? Bien sûr que non. Là لا يستوي الذين يعلمون مع الذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أي لا يستوون. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas égaux. كيف عن سيدنا علي رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال ماله. On a accepté le partage que Allah سبحانه وتعالى a fait nous avec les gens. On a la science et les ignorants et ont de l'argent ou ont du bien. العلم خير لك من المال. La science est mieux pour toi que l'argent. Al-mal yanqus bil-nafaqa, al-ilm yazku bil-infaq, yani bi-ta'limihi. Le bien diminue avec la dépense,
Mais la science, une fois que tu l'enseignes et tu les divulgues, la science augmente. Parce que ça persiste, ça reste dans ton le mémoire, dans ton cœur. Et à chaque fois que tu lui donnes, ça t'ouvre des fois sur des choses que tu n'as pas compris au début. Ça, comme j'ai dit, tu le mémorises plus. بالتعليم تقوى حافظتك بالتعليم يظهر لك أيضا معان أحيانا ما كانت تظهر لك من قبل فزكاة العلم التعليم العلم كلما درسته يكبر علمك المال كلما استعملته نقص La science, à chaque fois que tu le dépenses, c'est diminué. Mais la science, à chaque fois que tu l'utilises, ça fait augmenter chez toi la science. Ou أيضا فرق كبير. المال أنت تحرسه والعلم هو يحرسك. Une grande différence que le bien, c'est toi qui le garde, qui le préserve. Et la science, il te préserve. Et بيحميك. العلم يحميك. لما تتعلم, بصير تعرف ما هو الكفر فتجتنب. تعرف ما هو الحرام فتترك. فبالتالي تعرف الواجبات فتؤديها على الوجه الصحيح. Tu sais c'est quoi la mécréance, tu la délaisses. Tu sais c'est quoi les péchés, tu la délaisses. Tu sais comment faire les obligations et tu les fais. لله الحمد أن إذا فتح الله عليك بالعلم والعمل يعني فتح الله عليك بالعلم مع العمل وصرت عبدا تقيا هذا خير لك من وجه الأرض ذهبا. C'est Allah Ta'ala a mis dans ton cœur l'amour d'apprendre, l'amour de pratiquer avec la sincérité. Et que tu aimes la science et tu aimes la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que Allah a créé ça et toi tu aimes ton créateur. Si Allah Ta'ala a mis dans ton cœur l'amour pour ça, c'est mieux qu'il te donne ce qui couvre la terre en or. إِذَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلْبِكَ حُبَّ الْعِلْمِ وحب العمل مع الإخلاص لأنه الله شوف ماذا قال ربنا هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هو الذي حبب إليكم الإيمان c'est Allah qui a fait en parlant des compagnons du prophète Muhammad عم نحكي على أصحاب النبي محمد رضوان الله عليهم هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم c'est Allah qui a mis dans vos cœurs l'amour de l'iman et il l'a embelli à vos yeux et c'est Allah qui a mis dans votre corps le fait de détester la mécréance la désobéissance le fait d'accomplir les péchés هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هذا اللي بيطعن بالصحابة ولا يفهم هذه الآية عجيب أمره. C'est lui qui critique les compagnons du prophète et il ne comprend pas ce que Allah a dit. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. ما هذا امتنان الله على الصحابة والله يعلم الغيب والله يعلم ما يكون في المستقبل. Allah Ta'ala c'est le futur, c'est le caché. C'est Allah qui a dit, Allah لن يقول في إنسان أنا حببت إليه الإيمان وهو يعلم أنه سيكفر. Allah Ta'ala لا يقول في إنسان أنا الذي حببت إليه الطاعات ويعلم أنه إيش سيشتغل بالمعاصي بعد ذلك. Allah لا يقول أن أنا الذي جعلته يبغض الكفر وهو سيكفر من بعد. ما الله تعالى من باب الامتنان. من باب الامتنان على الصحابة comme mérite Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer ses mérites sur les compagnons qu'il a mis dans leur cœur l'amour de la foi et il a embelli ça à leurs yeux et il a mis dans leur cœur le fait de détester et d'haïr la mécréance la grande désobéissance et les petits péchés على كل قال تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم الله élève en degré qui il veut et à chaque fois que il y a des gens qui ont la science mais il y a toujours quelqu'un au-dessus de leur science فالله تعالى أعلم العالمين الله تعالى celui qui sait le plus والله سبحانه وتعالى علمه لا يزداد ولا ينقص لأنه لا يخفى عن علمه شيء la science de Dieu ne diminue pas
n'augmente pas parce que Allah Ta'ala sait tout. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans un long hadith, et il a dit dans une partie, et celui qui prend un chemin pour apprendre sa religion, Allah lui facilite par cela un chemin qui le ramène au paradis. Anta salakta tariq al-ilm, lima li tuti' Allah, lima li tajtanib ma'siyat Allah, lima salakta tariq al-ilm li tathbuta 'ala al-iman, lima li tabta'id 'an al-kufr. فالله تعالى بهذا بالعمل بهذا السلوك الذي فعلته يسهل لك طريق الجنة لأن العلم مع العمل هو طريق الجنة. Alors si la personne a pris un chemin pour apprendre la religion afin d'obéir à Dieu, afin de craindre Dieu, afin de s'éloigner de l'haram, Allah تعالى lui facilite par cela le chemin du paradis. لأن طريق الجنة إيش؟ طريق الجنة هو الإيمان مع العلم والعمل. Le chemin du paradis c'est la foi avec la science et la pratique avec la sincérité. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Dans le hadith, que lorsqu'un groupe se réunit dans une mosquée parmi les yani Bayt min Buyut Allah, on dit c'est la mosquée, et ils apprennent entre eux la religion, le livre, le Coran, et l'un enseigne l'autre au sujet du Coran, alors Allah Ta'ala fait descendre sur eux la béatitude, les anges viennent pour tendre leur épée, leurs ailes, la clémence descend et ils seront loués, c'est-à-dire auprès des gens, auprès des habitants du ciel. فهنيئا لمن اشتغل هو الملائكة تضع أجنحتها تواضعا ورضا بما يصنع. Lorsque les gens viennent pour apprendre la religion, lorsque les gens viennent pour apprendre, les anges tendent leurs ailes. Les anges tendent leurs ailes par modestie et pour honorer ceux qui viennent pour apprendre la science de religion. وأيضا في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. En parlant des gens, tu as les gens sont il y a des gens qui sont de bonnes, ils ont des valeurs, des principes, ils ont des hauts comportements, ils sont par exemple des gens courageux, intelligents, sage, modeste, serviable, ainsi de suite. Alors le prophète alayhi salatu wasalam a dit, les gens c'est comme les métaux, c'est comme les métaux, il y a l'or et il y a ce qui est moins que le fer. Il y a des gens qui sont comme l'or, comme l'argent métal, comme l'aluminium, et il y a des choses qui sont le dernier métaux là, comme tu dis, de fer de mauvaise qualité. Et les gens sont comme ces métaux, et il se trouve que avant l'islam, il y avait des gens qui avaient des qualités. Alors lorsqu'ils étaient dans la période de l'obscurantisme, ils avaient des qualités, comme on vient de dire, c'était des gens courageux, c'était des gens qui accueillent leurs invités, c'est des gens qui soutiennent celui qui subit l'injustice. Alors, lorsqu'ils embrassent l'islam, ils deviennent les meilleurs.
Mais le prophète a dit, si ils ont appris la religion, إِذَا فَقِهُوا, c'est-à-dire ils ont appris la religion, النَّاسُ مَعَادٍ, quel ma'adin اللي بتعرفوها, خيارهم في الجاهلية, خيارهم في الإسلام, لأن عندهم هذه الصفات الحسنة الممدوحة في الإسلام, فإذا تفقهوا في الدين, إيش يكون لهم إيش, منازلهم عالية, leur degré, ils seront dans les plus hauts degrés, parce que comme ils avaient les qualités, comme on dit, la générosité, le fait d'être courageux, l'intelligence, la sagesse, la patience, l'indulgence, ils avaient ça, et ils ont embrassé l'islam, alors maintenant ils vont être parmi les meilleurs dans la communauté musulmane. Mais le prophète a dit, s'ils ont appris la religion, إِذَا فَقِهُوا بِكُونُ هَؤُلَا خِيَارُ النَّاسِ, كَيْفْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ النَّاسِ لَهُمْ ميزة, ففي الإسلام يكون لهم ميزة إذا تعلموا إذا تفقهوا في الدين. وعن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم أو متعلم. Pour dire, il y a des gens qui sont déjà pris dans le bas monde. Ils ne font pas de prière. Ils ne viennent jamais à la mosquée et n'apprennent pas leur religion, mais ils cherchent à avoir un métier. Alors c'est pour cela qu'il a étudié pour être ingénieur, médecin, mécanicien, constructeur, commerçant, ainsi de suite. Et puis après, il n'a pas appris la croyance, il n'a pas appris la religion, il n'a pas pris soin d'obéir à Dieu par le fait de prier, de jeûner, ainsi de suite. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم أو متعلم. C'est-à-dire, tu sais, le bas monde est une demeure maudite et ce qui est dedans est maudit, sauf ce qui est ذكر الله. Tout ce qui est lié à l'obéissance. ذكر الله كل أي كل عمل يقرب إلى الله. لي منه الذكر منه الصلاة منه العبادات. Un savant, yani alim, qui travaille pour apprendre, et celui qui cherche à apprendre, al-alim ou al-muta'allim. Amma ma tabaqa bi'ibara ukhra, qala ba'duhum, kullu ma yashghaluka 'anillah fahu mash'oum. Un savant a dit, toute chose qui t'occupe de ton Seigneur, c'est une chose qui a une mauvaise augure. Kull ma yashghaluka 'anillah. إذا كان الشغل تعمله للدنيا فهو يشغلك عن الله. إن كنت تعمل لتأكل حلال لتطعم أولادك من حلال هذا لا يشغلك عن الله. إذا كنت أنت عم تدرس من العلوم الدنيوية تريد أن ترفع من شأن الإسلام والمسلمين في ميادين العلم هذا لا يشغلك عن الله. Alors si la personne il cherche quelque chose dans le bas monde pour la dunya, pour avoir un bon salaire, pour qu'il puisse louer un joli appartement, pour qu'il puisse acheter, pour qu'il puisse faire des vacances, pour avoir une jolie voiture, pour qu'il mange des bons morceaux de viande, pour qu'il arrive à sortir le week-end, chaque week-end, voilà. Alors on dit, mais toute chose qui t'occupe de l'adoration de ton Seigneur a une mauvaise augure. Et là, on voit que tout ça, c'est une mauvaise augure. Mais si la personne, il cherche à travailler pour qu'il se nourrisse du halal, pour qu'il mange du halal, pour qu'il donne à sa famille du halal, alors ce n'est pas une chose qui l'occupe de l'adoration de Dieu, mais au contraire, ça c'est dans l'adoration, le fait de chercher à manger le halal. Que le fait qu'il apprend telle et telle chose pour que la communauté musulmane ait de la science à ce sujet, pour qu'on puisse accomplir l'obligation collective, pour qu'on ne soit pas dans le besoin pour d'autres. Alors c'est une chose importante dans l'islam. Alors à ce moment-là, tu vois, lorsque tu dors, lorsque tu manges, tu dis je mange pour avoir la force pour que je puisse obéir à Dieu et faire ma prière et jeûner demain. Je dors pour que je me lève pour la prière de Sobh. Je visite telle personne pour l'agrément de Dieu, ce n'est pas parce que j'ai besoin de lui. Alors toute chose, tu le fais pour l'agrément de Dieu. Idhan, الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم أو متعلم فكن أنت ممن يشتغل بالعلم أو التعليم أو الإثنان يعني أعلم أتعلم وأعلم
وَأَذْكُرُ اللَّهِ Soit la personne qui apprend, qui enseigne et qui cherche à obéir à Dieu. Que ce soit par dhikr, par la lecture du Coran, par la prière et ou par d'autres adorations. يعني كيف قال بعضهم انه كن عالما او متعلما soit la personne qui a la science qui enseigne aux gens ou soit la personne qui cherche à apprendre وهكذا بتصحب واحد اما ان تتعلم منه او يتعلم منك اهرب من الثالث alors tu prends compagnie de quelqu'un que tu profites de sa science ou il profite de ta science يعني tu es avec quelqu'un soit parce que il a plus de science que toi alors tu es avec lui pour apprendre Ou toi, tu es avec lui parce que lui, il a besoin de ta science. Alors tu es avec lui pour qu'il apprenne de toi. Le troisième, il faut le quitter. Il faut fuir de lui. إذا كان شخص لا يريد أن يتعلم منك ولا 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 يمكنك أن تتعلم منه ما عنده علم. لا تستفيد منه بعلمه ولا يستفيد منك بعلمه. اهرب منه. هذا فقط بتصير فقط عندك حاجة دنيوية ضرورية تأخذها وتمشي. Si il ne profite pas de ta science et toi tu ne profites pas de sa science alors tu fuis de lui sauf que des fois on a besoin de lui parce que j'ai besoin d'acheter de lui telle ou telle chose alors voilà je fais le nécessaire pour mes affaires de ce bas monde et je le quitte vite fait أسرع لا أبقى معه ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد Un savant est plus dur, c'est-à-dire le shaitan, s'il veut faire tromper quelqu'un, il cherche à le faire tomber dans l'égarement, alors le shaitan, pour lui, un abid, est plus dur pour lui pour le rendre égaré, pour le pousser à désobéir ou à mécroire, plus que mille abid. تعرفوا الحديث القصة أن الشيخ الجيلاني كان في المسجد يذكر الله الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه était dans la mosquée en train de louer Dieu seul وجاء الشيطان بنور ضارب من الأرض إلى السماء الشيطان est venu avec une lumière du ciel vers la mosquée il dit يا عبد يا عبد القادر أحللت لك الحرام وعفيت عنك الصلاة il dit عبدي il a dit mon esclave عبد القادر Je te décharge de la prière et je rends pour toi le halal, le haram et halal. Et il a dit mon esclave, c'est-à-dire c'est comme il prétend ce shaitan qu'il est Dieu. Et il lui dit ça. Abdul Qadir Jalani, قال من أنا? Qui suis-je pour que le haram soit halal ou que la prière soit déchargée? Et le prophète Muhammad n'a pas eu ça. الصلاة كانت تجب على سيدنا محمد الحرام كان يحرم على سيدنا محمد من أنا حتى يصير الحرام حلالا ومن ثم يعني هذا النور الضارب والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد فقال خسئت يا لعين إنك الشيطان فانكسر هذا الشيطان صار يتضاءل حتى صار مثل الذبابة قال غلبتني بعلمك يا عبد القادر غلبتني بعلمك والله قد أغويت قبلك سبعينا ممن سلكوا هذا الطريق alors pendant qu'il est en train de faire le dhikr avec concentration et recueillement le shaitan est venu avec cette lumière et lui a dit mon esclave عبد القادر je te décharge de la prière le haram est halal pour toi Cheikh عبد القادر a dit qui suis-je le prophète Mohammed le meilleur de toutes les créatures il doit prier Et le haram était haram pour lui. Qui suis-je? Pourquoi moi? Et celui-là, il prétend que je suis déchargé. Parce que d'après lui, que je suis devenu dans un degré, alors le haram devient halal. Et j'aurai plus l'obligation de prier. Et vous connaissez que Cheikh Abdul Qadir, c'est un grand imam, grand saint. Allah Ta'ala a dit, Laysa kamithlihi shay. Rien n'est tel que lui. Rien n'est pareil à lui. Rien n'est semblable à lui. Tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. Alors il lui a dit « T'es perdant, maudit, shaitan, maudit, tu n'es qu'un diable, maudit. » Alors lorsqu'il a dit ça, la lumière commence à devenir plus petite, être restreinte,
comme il est devenu comme une mouche. Il lui a dit, tu as pu me vaincre par ta science. Sinon, avant toi, j'ai pu faire égarer 70 personnes par cette ruse. Parce que lorsque tu dis, je veux faire le dhikr, je veux faire la prière, sans science, le shaitan, il joue avec toi comme un petit ballon dans le pied d'un enfant. Et il fait ce qu'il veut en toi. Tu n'as pas de science. Vous connaissez Tripoli au Liban, une femme soi-disant qu'elle fait le dhikr, qu'elle fait le chose, tu vois, et le shaitan est venu en prétendant qu'il est Dieu, et puisque toi tu es sainte, voilà, je viens vers toi, hein, tu vois, hadil mar'a kanat tata'abbad wa tusalli فَيَأْتَهَا الشَّيْطَانُ قَالَ أَنَا رَبُّكِ فَصَدَّقَتْ. Elle a cru. Elle a cru. C'est vraiment une grande épreuve. Elle a cru que ce shaitan qui vient chez elle, c'est un dieu. Elle n'a pas de science. Elle n'a rien appris. قال أبو هريرة لأن أجلس ساعة فأفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح. أبو هريرة il a dit, si je m'assois une heure pendant un moment et j'apprends quelque chose dans ma religion, est plus agréé pour moi, j'aime plus faire ça que le fait de prier toute la nuit. Et d'ailleurs dans le hadith, si tu apprends un chapitre dans la religion, c'est mieux que le fait de faire 1000 rak'a parmi les rak'a qui sont sunan, qui sont surrogatoires. أن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة فإذا تعلمت بابا من الفقه خير لك من أن تصلي ألف ركعة لذلك الاشتغال بالعلم خير من الاشتغال بالنوافل لأن الاشتغال بالعلم إما فرض عين وإما فرض كفاية. Le fait de chercher à apprendre est mieux que le fait de chercher par exemple à faire des nawafil, soit dhikr, soit prière, parce que le fait d'apprendre, soit c'est une obligation individuelle, lorsqu'on dit la science obligatoire individuellement, soit c'est une science obligatoire d'ordre collectif. Yani pour connaître les détails dans le mariage, dans le divorce, dans l'héritage, c'est une obligation collective. Mais c'est une obligation d'ordre collectif. S'il y a certains qui ont appris, les autres sont déchargés. Mais la science de base pour faire la prière valable, pour faire le jeûne valable, pour délaisser le haram, la minimum dans la Coran, c'est une obligation individuelle. Alors, lorsqu'on fait une obligation, il y a plus de récompenses que dans les actes surrogatoires. في الفرائض الثواب أكبر بكثير من النوافل. قال تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وعلم الدين فرض. Allah Ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi que l'être humain ou que le musulman ne trouve jamais meilleur pour avoir l'agrément de Dieu comme le fait d'accomplir ce qui est obligatoire, ce que Allah a rendu obligatoire. Et l'apprentissage de la science de religion est une obligation. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال تعلموا العلم قبل أن يفتقر إليكم فإن أعبد الناس رجل عالم إن احتيج إليه نفع بعلمه وإن استغنى عنه نفع نفسه بالعلم الذي يعلمه الذي يعلمه فما مال علمائكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون فلو أن العالم أراد أن يزداد علما لازداد وما نقص العلم شيئا ولو أراد الجاهل أن يتعلم لوجد العلم. Abu Darda, radiyallahu anhu, parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que chercher à apprendre la science avant que avant que la science aura, il se trouve rare, ou on ne trouve pas assez de savants. Il a dit, parce que le plus adorateur parmi les gens, c'est un homme qui a la science. C'est un homme qui a la science. Et si on a besoin de lui, il fait profiter les gens par sa science. Et si les gens n'ont pas besoin de lui, il tire profit lui-même de sa science. « A'bad al-nas rajul alim »
إذا الناس أرادوا أن ينتفعوا ينفعهم بعلمه، وإذا استغنى الناس عنه ينفع نفسه. Lui, il tire profit de sa science. Alors il a dit après, mais pourquoi les savants partent, c'est-à-dire ils meurent, ulama ukum yadhhabun, c'est-à-dire par la mort, lorsque les savants meurent, et après on ne trouve pas assez des gens qui cherchent à apprendre, et les ignorants n'apprennent pas. Waljuhal la yata'allamun. Il a dit, ça c'est pas une bonne chose. Et il a dit, si les ignorants ou si le savant a voulu apprendre, et sa science augmente et la science ne diminue pas. لو أراد العالم أن يزداد علما لازداد. Et la science ne diminue pas. هذا العالم يزداد لكن العلم لا ينقص. La science ne diminue pas. Le savant aura de science en plus, mais la science ne diminue pas. Et si l'ignorant il veut apprendre, il trouve la science. إذن العلم موجود. La science existe. Il faut le chercher. Il faut l'apprendre. حتى موسى ماذا قال للخضر؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى كي في التابلت دو التورات. الله تعالى أنزل عليه التورات فيها تفصيل الأحكام. ولما علم أن الخضر له من العلوم ما ليس عنده قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ Tu vois نبي الله كليم الله le grand prophète موسى عليه السلام qu'Allah Ta'ala a fait descendre pour lui les tablettes de Taurat, quand même, lorsqu'il a entendu que le Khadir, il a de science que lui, il ne l'a pas, il a dit, je peux t'accompagner pour apprendre de ce qu'Allah t'a donné comme science. Voilà, il est stafid, min hadha, ya'khuz hikma, anna nabiyan aziman, mitel Moussa, ya'koul lil Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, je peux t'accompagner pour que tu m'apprennes de ce que Allah t'a donné comme ça. Alors قال الخضر انك لن تستطيع معي صبرا, tu n'arrives pas à patienter avec moi. الخضر هو نبي, c'est un prophète, et que Allah Ta'ala lui dévoile certaines choses, et Moussa il n'avait pas à ce sujet une certaine connaissance, et pour cela il lui a dit انك لن تستطيع معي صبرا, لان الله يكشف لي عن امور ما كشفت لك فانت يظهر لك شيء وحقيقه الامر شيء اخر. لكن القول الصحيح ان الخضر هو نبي, لا في جوست كو الخضر est un prophète. طيب pour clôturer, ورد في حديث انه من حفظ على امتي 40 حديثا فيما ينفعهم من امر دينهم بعثه الله يوم القيامه من العلماء. هذا حديث في ضعف ورد بروايات وكذا, ولكن يسعى الإنسان ليحفظ 40 حديثا, هو حديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. Que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit celui qui a appris pour ma communauté 40 hadiths de ce qui est profitable, et par la suite il va les transmettre dans leur religion, il a dit il sera rassemblé le jour du jugement avec les savants. وفي رواية من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. Et celui qui a appris pour ma communauté 40 hadiths dans sa religion sera rassemblé le jour avec les fuqaha, et je intercède pour lui et je témoigne pour lui. C'est pour cela Nawawi il a fait le 40 hadiths, mais il y avait beaucoup de savants qui ont fait le livre de 40 hadiths, mais le plus célèbre c'est le 40 hadiths de Nawawi. Al-Arba'un Nawawiyya hiya ashharuha li'annahu ikhtara ahadith jami'a. Alors man arada al-hifz falyasta'in bi tark adh-dhunub. Celui qui veut que Allah met la baraka pour lui dans la science, et qu'il veut qu'il capte bien, qu'il apprenne bien tout ça, qu'il cherche la science en délaissant les péchés. إذا أردت أن ينور الله قلبك وفهمك بالعلم فاترك الذنوب. Si Allah, tu as voulu que Allah illumine ton cœur par la science, éloigne-toi de la désobéissance. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.